Deuxième chapitre de la Bhagavad Gita. Aperçu de la Bhagavad Gita. Le Seigneur bienheureux dit, « Bien que tu tiennes de savants discours, tu t'affliges sans raison. Ni les vivants ni les morts, le sage ne m'épleure. Jamais ne fut le temps où nous existions, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. À l'instant de la mort, l'âme prend un nouveau corps, aussi naturellement qu'elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Ce changement ne trouble pas qui a conscience de sa nature spirituelle. Éphémères, joies et peines, comme été et hiver vont et viennent, au fils de Kunti. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière, aux descendants de Bharata, et il faut apprendre à les tolérer, sans en être affecté. Au meilleur des hommes, celui qui n'affecte ni les joies ni les peines, qui, en toutes circonstances, demeure serein et résolu, celui-là est digne de la libération. » Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.